Aujourd'hui, c'est l'écoute Samouraï numéro 2. On passe au rap français. Avec moi. Et ça va être. Giorgio. Play. Giorgio, c'est un rappeur, il s'appelle George. Giorgio, c'est tout. Il vit près de Belleville quand il était jeune, dans le 18ème. Il commence le rap avec ses potes à 16 ans, avec son petit groupe de potes. Aujourd'hui, il a 21-22 ans et sa chaîne YouTube date d'il y a 3 ans. Donc, il a commencé à poster ses sons aux alentours des 18 ans. Premier son, il y a une rime. Il explique pourquoi il se met dans le rap, ce qu'il aime bien dans le rap. Il parle du rap en général. Petit son, mais une rime. Bizarrement ton passé t'entre comme ta première cuite, ta chicha monde te manque et tu t'endors avec ta première rime. Ma dernière rime aura sans doute vidé ma matière grise, et si ça me fait pleurer je dirais. Bim, la première EP, mon prisme, avec de beaucoup de gros sons. Un son qu'il a fait connaître, Homme de l'ombre. Je pense aussi à Quand je prends le mic. Moi perso, mon son que j'ai vraiment bien kiffé, c'est avec l'acide verbal. On marche à l'aveuglette, la vision troublée, je me suis pris les pieds, trébuche dans la fumette, la voix fluette de tous ces crimes et faits, je décris les faits. Je te parle de merde comme de ma vie rêvée, j'appuie les traits, mon postcard. Plus d'été, j'ai vraiment bien kiffé. Beaucoup de sons, il présente un peu son histoire, son enfance, ses motivations, il parle d'un peu de tout et de rien. Ensuite, mixtape qui fait passer un autre niveau, avec de la face B, de la face B, de la face B. Le son, la mixtape, c'est Nouveau Souffle. Son très fort, un nouveau souffle, fit avec Nekfeu comme une balle. On n'est jamais mieux viscère que par soi-même. Au croisement de ma vie sans signalétique, trop de soucis à l'air. Fit avec Val, tu sais ce qui se passe. Dans le quartier, c'est pas les hommes, mais c'est les balles qui percent. Alors moi et mon rap, on est en batterie faible. Très grosse mixtape, vraiment. Très haut niveau, hein. Ensuite, EP Soleil d'hiver. Donc c'est l'EP que j'ai le moins écouté, mais il est quand même de très bons sons. Par exemple, saleté de rap. On accepte moins la routine quand t'entends ta petite sœur parler de son petit ami. De toute façon, c'est qui la rue, c'est un mec qui considère les femmes comme t'as pu le faire. Qui aime la bière et la tulipère, nique le football, nous on parle pas avec les. Donc, après Soleil d'hiver, prochaine EP, À l'abri. Pourquoi À l'abri? Parce que il parle pas mal de son enfance. C'était plutôt un petit délinquant au début, hein. Non, mais il explique comment le rap l'a mis à l'abri, justement, de tous ses vices et. De tous ces vices que, par exemple, il explique dans Homme de l'ombre, justement, dans son premier EP. Cette EP est très bon, donc on y retrouve des bons sons, par exemple Le Gardien. Le gardien se travestit quand il s'occupe pas des habitants de l'immeuble. Il met des robes et se maquille, joue avec des barbies. Je te jure qu'il est bizarre, mais c'est un homme quand il monte les courses de maman. Alors je pense que Le Gardien, c'est un petit peu un petit signe, un clin d'œil à Hugo du TSR avec son album Fenêtre sur rue que Giorgio a beaucoup écouté, c'est ce qui l'a influencé, donc ça, je trouve que c'est un peu le même style, même histoire. On a ensuite le son Rebadop. Je pense petit clin d'œil à Faux avec Rebadop, justement. Très bon son, encore une fois. Très bon. Son que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Enigme. En attendant le premier album, je rappe que des questions sans réponse. Ouais, j'ai pas de bif, fais attention au crédit que je m'accorde chaque nuit et l'aventure d'une nouvelle énigme, de nouvelles certitudes. Giorgio est donc un rappeur qui a fait donc 3 EP, une mixtape. On peut voir qu'il a vraiment beaucoup de styles, il peut parler de sa jeunesse de façon positive, de façon négative. Il va prendre des instrus calmes, des instrus funky, des instrus groovy, des instrus. Il va parler de tout. Il a vraiment un champ de texte et de lyrique très large, je trouve. C'est ce qui fait que je l'aime beaucoup. Et enfin, pourquoi j'ai voulu parler de Giorgio en particulier pour ce écoute Samouraï? Son album sort en octobre et son projet était très beau et donc je veux le mettre en avant. Il a tout simplement fait financer tout son album par les internautes, par les gens qui le soutiennent. Avec les internautes ont toujours eu leur mot à le dire, même le côté artistique, sur la pochette, sur pratiquement beaucoup de choses. Il est très proche de ses internautes. Il a bien compris une chose, c'est qu'un internaute qui est vraiment très proche, qui suit beaucoup, c'est clairement mieux que 2, 3, 4, 5, même 10 internautes qui regardent juste un son de temps en temps sur YouTube. Son album est censé sortir en octobre, il va s'appeler Bleu Noir. Et achetez l'album, il y a déjà 3 sons qui sont sortis à l'heure où je parle. Indomptable, sur sa jeunesse, Appel à la révolte, son très punchy, très énergie. Et enfin, Héros, où il parle du rap, de sa carrière, du fait qu'on a un héros sur scène et ensuite tout retombe, tout.
Ma mère m'a fait comprendre que j'étais un adulte. Rien qu'elle se plaint, qu'elle me parle de factures, c'est dur. J'ai des liens, oui, sensibles aux fractures. J'ai fait du mal, je compte plus toutes mes bavures. Et toi, tu critiques comme si. Vraiment très bon son. Allez acheter l'album si vous n'avez pas pu donner jusqu'à aujourd'hui. Allez au moins écouter ça, soutenez-le, il mérite vraiment. Allez. 75 18. Bizarrement, ça, cette honte, comme ta première cuite. Chicha monde te manque et tu t'endors avec ta première rime. Ma dernière rime aura sans doute vidé ma matière grise. Et si ça me fait pleurer, je dirais non, c'est qu'une allergie. Je suis dans mon élément quand je fais rimer les mots. Et loin d'être élégant, je suis pas élégant.